Il me demande lors de la prière de Dhuhr et de Asr, midi et l'après-midi, est-ce que les dhikr lors de l'inclinaison et lors de la prosternation se disent à voix haute ou à voix basse? En fait, pour les hommes, il n'y a pas de différence. Vous pouvez réciter ces dhikr à voix haute ou à voix basse, à votre choix, il n'y a pas de problème. Même pour la prière de Maghrib et de la prière de Al-Isha, les dhikr de l'inclinaison et de la prosternation se disent à voix haute ou à voix basse, à votre choix. Pour les femmes, si vous êtes à la maison et qu'il n'y a pas d'homme qui vient de dehors, qui n'est pas de votre famille, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Les femmes aussi peuvent réciter ces dhikr à voix haute, les dhikr de l'inclinaison, de la prosternation, dans la prière de Dhuhr, de Asr et de Maghrib et d'Al-Isha, ainsi que la prière du matin.